Bon, Hugo, c'est parti, bienvenue sur le jeu Last Donors. Allez, aujourd'hui, on va aller à Samhain découvrir ce qui se passe dans la communauté. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ou non, que se passe-t-il ici? On est parti, on va conduire. Et on va aller voir immédiatement ce qui se passe dans cet event. Allez. Bon, ben, j'espère que vous allez bien en attendant. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, j'en profite, c'est rare que je le demande. Abonnez-vous si c'est pas, fait, voilà, comme ça. Ça, c'est fait, c'est rarissime aussi, mais bon, si vous voulez voir des vidéos, n'oubliez pas que je sors pas mal d'autres vidéos en ce moment. Il y en a beaucoup qui me posent la question, mais pourquoi je fais plus beaucoup de vidéos Last Day? Alors, je réponds à cette question. Tout simplement parce que j'ai fait des centaines de vidéos sur le jeu et qu'aujourd'hui je me concentre essentiellement sur les events, les nouveautés, etc. Alors, découvrez ce qui se passe dans la communauté, parlez Otis. Donc, je fais des vidéos un peu différentes. Si vous désirez que je fasse un jeu en particulier, on ne sait jamais, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, et je verrai ce que je peux faire. Alors, on va aller parler à Otis. Qu'est-ce qui se passe dans cette communauté? Vous savez que la communauté est en danger? Les zombies pullulent par ici. Ce sont des esprits maléfiques qui les envoient, j'en suis sûr. Un ancien rituel peut nous sauver, je les ai retenus depuis, bon, des mois à préparer pour le rituel, je ne peux pas le faire seul comme vous le voyez, et les habitants se cachent chez eux. Tuer des zombies, 0 sur 10. Alors attendez, j'ai un katana, je vais plutôt prendre un petit flingue à la place de ça, ça devrait le faire. Alors, on va aller dans la direction, hop, on va s'accroupir et on voit ce qui se passe. Ah bah il m'a vu, il m'a entendu alors que, bon, c'est pas bien grave. Ok, alors, on peut pas ouvrir ça. Alors attendez, il y en a d'autres. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a vu arriver. Alors attendez, on va voir si je peux arriver par derrière tout gentiment. Bon, ça a pas l'air violent, hein, les amis. Pour l'instant, ça va. Bon, vous passez... Non, monsieur le mavi aussi. Ok, donc c'est moi qui sais plus jouer. Alors, attendez. attendez. On va aller voir ça. Lui, cogne contre les morts. Contre la porte. Ouais, ouais, il nous voit arriver, hein. Même si on fait pas de bruit, ça, c'est bizarre. D'habitude, non. Mais bon, là, je sais pas. Ou alors, c'est moi. Bon, bah là, lui, forcément, il va me voir. Il vient ici. Bon, un gros lard, hein. On va y aller comme ça. Hein. On va économiser un flingue. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Bon, là-dedans, il y a les trucs habituels. Ok. Alors, il faut en tuer une dizaine. Alors, 10, 10, 10, 10, 10. Bon, tu me vois arriver, toi, ou pas? Non. Bon, lui, on va essayer de le tourner autour. On va essayer de passer par derrière. Donc à faire, autant prendre pas trop de dégâts. Voilà. Lui, on va inverser. Bon, j'ai pas pris de masse. Ça aurait été pas mal de prendre une petite masse, peut-être. Bon, on va le faire comme ça, gentiment. Ok, découvre ce qui se passe dans la communauté. Alors, parlez à Otis. Bon, c'est bon, là j'ai tué les 10 gars. Faites voir là-dedans. Ok. Bon, il y a un petit coffre qui se qui a là-dedans. Alors attendez, on va déjà lui parler. Vous les avez tués, ça va pas durer, les zombies vont revenir, c'est pour ça que nous avons besoin du rituel. Je suis trop jeune pour mourir. Suivez Otis. Ah, bon, alors attendez, je vais le suivre. On ira voir la caisse après. Ma famille a gardé ce rituel secret et l'a transmis de génération en génération. Mon grand-père a un jour protégé votre famille contre les esprits. Je me souviens encore des flammes bleues de ce feu. Ok. Allumez les torches et appelez tout le monde à sortir de chez eux. Bravo, nous t'avons sélectionné quelques récompenses. Alors attendez, réputation de la communauté. Alors, plus tu te débarrasseras... Plus tu débarrasseras ce monde du mal, plus nous serons disposés à t'accorder des récompenses. Otis nous a personnellement chargé de sélectionner les meilleurs objets pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, au début, on a des citrouilles. Bon pour la santé. Ah, mais c'est sympa, ça. Alors, si ça se mange, ça peut être cool. 10 niveaux, il y a quoi? Donc, on va avoir un chien. 15 niveaux,
Ok, 20 ski. Bon, là, il y a des choses sympas, là, quand même. Hein. Carte d'inspecteur, des filtres à air, ça qu'on trouve nulle part, de la nourriture. Enfin, si on peut en trouver, de la nourriture sèche. 25 niveaux. Alors, un petit skin. Le pignon noir. Ok, sympa. Des batteries. Oh, on a quand même pas mal de trucs. Ici, on a quand même deux contrôleurs de vol. Un Shure Rottweiler niveau 2. Bon, c'est sympa quand même, c'est sympa. Là, c'est quoi comme skin? La faucheuse, ok, sympa aussi. Et qu'est-ce qu'on a? Citrouille infinie! Attendez, tu peux obtenir des pièces détachées, des circuits électroniques, des piles et des plans. Ok, ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre sa récompense. Ah non, prendre sa récompense. Mais avant de prendre la récompense, alors attendez, je voudrais aller voir ce qu'il y a dans le coffre là-bas. Parce que j'ai vu qu'il y avait un coffre. Je suis pas fou. C'est quoi ça? Bon, ben ça se prend. Ok, petit entrepôt, ok, je prends. Il n'y avait rien d'incroyable, mais bon. On va prendre la récompense et on va voir ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout prendre, ok. Ça va dans la messagerie, j'ai gagné 15 pierres. Alors ensuite, allume les torches, fais venir les résidents au rituel. Alors, allume les torches, la question c'est... Ok. On va allumer les torches déjà. Pourquoi il me dit d'aller par là-bas, lui? Ah, c'est sympa. Je crois qu'Oti, c'est ce qu'il fait, c'est un vieux sage. Alors, on va voir 3. Ah, mais c'est cool, attendez, on va piller les maisons, hein. On va pas se gêner, hein. Attendez. On va. Voilà. Eh, pas mal! Pas mal, pas mal de la bouffe, pas mal de bouffe. Ça, c'est cool. Ok. On leur pille leur baraque pendant qu'ils sont au rituel. C'est bien. Voilà, mais tout se prend, hein. Petite clé plate, tout ça, c'est cool. Allez, on va aller taper aux autres maisons, hein. Ben, bien sûr. Donc, n'oubliez pas de tout piller. Bonjour, allez au rituel qu'on puisse piller. Où est mon chien? Il s'enfuit quand tout a commencé. Je sais pas où il est ton chien, moi. Il est parti où, ce con? Il se barre? Snoop, viens ici. Faut aller au rituel, mon gars. Snoop, viens ici. Bon, je le suis au cas où il y a un truc. Bon, apparemment, non. Ouais, non, il n'est pas dans l'arbre. Alors, attends. Ok, bon. Ok, là, il tourne en rond. On va le piller en attendant. C'est pas bien grave. Il cherche son chien, on va peut-être le trouver. On va tout prendre, super, wow, c'est cool. Ici, là-bas, il y a quoi? Une baraque? Judas. Ouais, bon, bah là, la baraque est fatiguée. Alors ensuite, il y en a un qui vient pas. On va peut-être allumer les torches, on va voir ce qui se passe. Voilà, on va allumer cette torche, celle-là. Là, il doit y avoir une maison, non? Ouais. Maison, attendez. Les 20 est sympa pour l'instant. Les 20 est sympa. Bonjour madame. Je n'aime pas ces jeux bizarres avec des rituels. Bah oui, mais t'as pas le choix. Les rituels ne fonctionnera pas, j'en suis. Il y a des forces bien plus puissantes. Oui, bah vas-y mec. Pas de chance, pas de coffre. Ah lui, il s'est barré, lui. Ah lui, s'est barré. Rien à secouer. Ok, donc là, il nous reste quoi? Ça. Et il nous reste une personne à amener. Bonjour, la porte est verrouillée, c'est bizarre. Parlez à Otis. Allume le feu sacré et commençons. Ah mais c'est très étrange que personne... Ok, là c'est bizarre qu'il n'y ait personne. Alors, un traître, qu'est-ce que c'est? Écoutez le rituel. J'écoute. Oh, force de lumière et du bien, venez à nous en cette heure grave. Refermez les sombres portes du mal, montrez-nous le chemin vers la lumière, nous vous demandons aide et protection. Que les mauvais esprits périssent, c'est quoi ce cri? Marcus, je viens de retrouver Snoop et nous sommes allés directement au rituel. Alors, parlez à Shady. Je courais après le chien, j'ai entendu crier le temps que j'arrive, elle était... Allez, on va examiner le corps. Qui aurait bien pu la massacrer comme ça?
Alors là, il y a des traces de sang. Piste sanglante remonte jusqu'au buisson. Alors, on va aller voir où. Parlez à Marcus. Il faut retrouver ce monstre. Allez dans les Pinèdes. Allez, go dans les Pinèdes, les amis. Go dans les Pinèdes. Bah, écoutez, pour l'instant, je trouve ça assez sympa. Alors, la vidéo risque d'être un petit peu longue, mais c'est pas très grave. Hein. Ça fait plaisir. Une bonne petite vidéo de l'ASD. Alors, attendez. Hop. Moi, je suis pour. Alors, à moins qu'il y ait plusieurs vidéos possibles, événements, on s'en fout. Allez dans les Pinèdes. Donc, on clique dessus. Pinèdes. On va courir. Allez, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, je pense que quand même l'épinède avec un petit flingue, un petit katana, ça devrait le faire. Bon, pire, j'ai un M16, mais... ça devrait le faire. Allez, on y va. Je vais manger un morceau, moi, attendez. Voilà, on va en profiter. Hop. Bon, alors... on va tuer deux onzons. Apparemment, c'est par là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ouais, non, mais... Tu me fais quoi, là? Viens ici, toi, la sorcière! Allez, la sorcière, viens là! Aider Otis à accomplir son rituel, retourner à la communauté. Bon, allez. Bon, apparemment, on peut pas tuer la sorcière. Ok, mais on a vu que c'était une sorcière. Heureusement, donc ça m'a fait un peu peur parce que je pensais que c'était celle-là, là, la sorcière de la forêt infectée, qui est quand même très très compliquée à battre. A priori, c'est pas la même. Allez, retournez à la communauté, c'est parti. Bon, effectivement, pour Halloween, il y a une sorcière qui est en train de commettre des meurtres au sein de la communauté, donc on va essayer de les aider. Alors, est-ce qu'on a gagné quelque chose? Je sais pas. Par contre, les petites citrouilles, je me demande si on peut les manger ou si c'est de la déco. Il faut voir. Est-ce qu'on peut... Ça pourrait être sympa des citrouilles, même à produire. Si on pouvait les planter, ça serait assez cool. Maintenant, je vais voir. On va voir. On va voir. Alors, attendez. À vrai dire, ce rituel n'enchante pas tout le monde dans la communauté. Alors. Alors. Tentez d'accomplir le rituel. Encore une fois, améliorez votre réputation de la communauté niveau 5. Nous serons honorés si tu combats le mal tous les jours. D'accord. Ton aide est toujours la bienvenue ici. Tu n'auras qu'à demander à Horace ou à Sophia s'ils ont des tâches à te confier. Ok. Obtenez de la réputation de la communauté auprès d'Horace et Sophia. Eh bien, parfait. Eh bien, on va commencer par Sophia. Donc, je pense que ça va être des quêtes quotidiennes. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors. Il piétine le sol sacré. Tu imagines? Détruisez le mal dans l'église de la communauté. Réputation de la communauté, plus 400. On va y aller. Alors, attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'un seul flingue? Faites voir ce que j'ai. On va y aller comme ça. Hein. On va y aller comme ça. Hein. Parce que mon katana, il va pas tenir longtemps. Voilà, ce petit parasite. Les amis, il faut pas mourir. Lui, il faut juste tourner autour. Les chasses sont, faites très attention. Bon, alors là, on a une sorte de fumée qui nous fait du mal. Mais ça devrait aller. Là, par contre... Ah non, ah ben là, voilà. Là, je l'ai raté. C'est pas trop dur, franchement, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur. Donc là, on a dû obtenir de la parole. Commencer le rituel. Alors, refaire le rituel. Eh ben, on va le faire. Hein. Oh, force de lumière et du bien, venez à nous en cette heure grave. Refermez les sombres portes du mal, montrez-nous le chemin vers la lumière. Nous vous demandons aide et protection. Il y a encore mort. Puis les mauvais esprits qui grognent ici. C'était quoi ce bruit? Ouais, c'était quoi ce bruit? Allô, infecté.
de loups infectés. Bon, ça, on peut les faire effectivement au katana ou des choses comme ça, hein, les loups infectés. Bon, bien que ça puisse faire mal, faites gaffe quand même. Ok, les loups infectés. Alors, il faut tuer tous les loups. Là, on va aller. Alors, attendez. Il faut aller où là? Un cerf? Ah, des rennes infectées, d'accord. Ok, on va reprendre un flingue. Tac. Alors, parler à Shady. Il est où notre ami Shady? Shady. Alors, attendez, attendez. Hop là, il est là. Vous n'allez pas le croire, le chien a retrouvé une piste. Génial, non? Allez, Snoop, montre-nous. Bah, c'est sympa, c'est une petite enquête policière, on va dire. Snoop, où tu vas? Attends-moi. Bon, bah, ok, le chien. Alors, elle était si jeune. Ok. Toujours ces fichus jeux avec les rituels. Ok. La terre a été fraîchement remuée. Comme si cette fosse. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah non, il me faut une pelle! J'ai pas de pelle. Alors attendez, j'ai pas de pelle, les amis. Je crois que je n'ai pas de pelle. Je vais aller voir dans mon inventaire, mais je n'ai pas de pelle. Donc, si vous n'avez pas encore fait ça, prévoyez une pelle. Alors, je vais regarder dans mes messageries. Alors, les pelles, je crois que c'est des. Il me semble que c'est dans les armes, les pelles. Mais je pense que j'ai pas de pelle. Hein. Même dans les. Là-dedans, je crois pas me souvenir avoir de pelle. Vous voyez que j'ai beaucoup, beaucoup de choses. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je n'ai pas de pelle. Bah écoutez, vous savez quoi? Alors attendez. Est-ce qu'il y a une. Ah, il y a une pelle là! Il y a une pelle là! Il y a une pelle là. Ah, ça fait plaisir. Parce que des fois, on est obligé de revenir à sa base. J'ai failli vous faire un petit. Mais il y a de l'essence dans une tombe. Oui, d'accord. Mais. Qui aurait pu enterrer des jerrycans ici? Marcus, c'est peut-être quelque chose. Ouais. Parlez à Marcus. Ok, bah on y va, on y va, on y va. On va parler à Marcus. T'es où, Marcus? T'es là. Alors, Marcus, quelqu'un a versé de l'essence dans le feu? Oh non, un groupe de bikers a campé pas très loin. Allez leur demander. Allez au camp de bikers? C'est une blague. Bon, bah les amis, on est bon pour aller au camp des bikers. Eh ben ça, c'est parfait, c'est parfait. J'espère qu'ils vont bien nous accueillir. Alors attendez, camp des bikers fermé. Les bikers, voir. Alors, on va aller voir les bikers. J'espère que j'ai suffisamment. Faites voir ce que j'ai. Ouais, quand même, quand même, quand même, faut arrêter. Faut arrêter, j'ai quand même j'ai ce qu'il faut normalement. Ouais, ça devrait suffire. J'ai quand même un Glock, un M16. Bon, on va se méfier, mais stylé, stylé, stylé. Attendez, c'est quoi de bordel? Attendez, on va les éviter. Ah d'accord, ok. Ok, bon, faut tuer ça et on va parler aux bikers. Parler au chef. Merci, vous nous avez sauvé la vie, mais je ne sais rien sur la communauté. J'ai mes propres problèmes. Disons qu'hier, quelqu'un a volé nos jerrycans d'essence. Ben. Nous, on en a trouvé. Alors, on va pas lui piller. On pourrait chercher dans les motos, mais pour l'instant, non. On va le faire après, je pense. Il y a des traces de pas. Et un gros lard. Attendez, est-ce que je peux me le faire? Ah bah écoutez, regardez ce qu'on va faire. On va se le faire à la pelle. J'ai une pelle. Bon, c'est pas grave. Ah, il m'a touché, il m'a touché. Allez, c'est bon. Le gros lard, c'est fait. Là, qu'est-ce qu'on a?
Examiner, on va examiner le troisième indice et des traces de pas, hein, visiblement. Je pense que ces indices me mènent aux falaises calcaires. Attendez, attendez, parce que là, il y a des choses. Attendez, attendez, les amis. Il faut pas partir tout. Hey! Surtout, ne partez pas. Ne partez pas. Il y a des tombes à piller. Non, mais là, c'est excellent. Prenez-moi tout ça. Alors, on va vérifier. On va vérifier s'il n'y a pas autre chose, quand même. Parce que là, il y avait une tombe sympa. On va faire le tour un peu de la map. On va faire un petit peu le tour. J'ai bien envie d'aller checker les motos aussi, mais je pense que ça va partir en baston. Il n'y a peut-être rien d'autre. Hein. On va vérifier. Il n'y a peut-être rien d'autre. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Bon, on va voir si je fouille les motos, s'il est content ou pas. Hein. Je vais essayer d'aller lui reparler d'abord. Bon. Il a l'air de rien dire. Bah les gars, hé, faites-vous plaisir. Hein. Je vais lui laisser une petite bouteille d'eau vide. Ouais, on pourrait même siphonner, mais bon. Il dit rien. Voilà. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais lui laisser ça. Hein. J'ai un peu faim. Est-ce que je pourrais prendre ça? Putain, mais j'ai quand même trois gros os, c'est incroyable. Alors attendez. Ouais, bah, je vais manger ça. Faudrait peut-être que je remplisse un peu mon chopper. Il est où mon chopper? Alors attendez, je vais aller mettre des trucs dans mon chopper, j'espère que je l'ai vidé. Non, je vais pas vider, je vais pas tout vider, mais bon. On va foutre ça, on va foutre ça, on va mettre ça. On va mettre les steaks, ça aussi je pense. Voilà. Allez, on va aller aux falaises calcaires. Bon, ça va être une très très longue vidéo, hein, les amis. Ça va être une très très longue vidéo. Je vais pas vous faire de coupure. On va se le faire tranquille ou bilou. Falaise calcaire. Conduire. Si je vois vraiment que ça dure vraiment trop longtemps, qu'il y a encore des trucs à ce moment-là, je vous ferai peut-être une partie 2. Je vais regarder demain si s'il y a des choses intéressantes à faire. Qu'est-ce que tu fais toi? Cracheur là. Alors, tentez d'accomplir le. Suivez la piste. Ouais, mais on va suivre la piste. Ami, on va suivre la piste. Alors attendez, il y a des zonzons partout. Salut pilleur. Non 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 non, attendez. Là, on va y aller. Voilà, on va y aller en. On va y aller, on va taper. Hein. Allez, c'est parti. On a pas que ça à faire. Ouais, ok, d'accord. Non mais c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Ok, donc là on a fait. Ouais, on a fait le truc des capsules là. Allez, c'est bon. Alors, c'est ça le camp. Salut! Je sais pas comment je suis arrivé ici, je courais après Snoop et il nous a amené ici. Quel chien! Ok. Bon, on va lui parler. Regardez tous ces jerrycans. J'ai aussi trouvé. Hey, Snoop, où tu vas? Note, je vous propose un marché. Les gars de votre bande versent discrètement de l'essence dans le feu de ce vieux fou d'Otis et attirent ainsi les animaux enragés. Et après avoir pris le pouvoir, je vous donnerai une partie du territoire de la communauté. C'est le bordel. Trouvez les personnes qui ont perturbé le rituel. Donc là, je pense que j'ai tout fait. Alors, on va retourner donc à la communauté, voir où ça en est. Alors, fermé. Retourner à la communauté. Ben, dites donc, il y a plein de trucs à faire. Hein. Ça, c'est sympa. Alors, donc, il verse de l'essence délibérément pour prendre le contrôle de la communauté, parce que ça attire des monstres. Bon, ok, pourquoi pas, ça se tient.
Ça se tient. Ah, ça va faire une très très longue vidéo, les amis. Bah, c'est pas très grave. Alors. Horace. Allez, nouvelle quête. Le mal s'est échappé de la communauté. Arrêtez-le. Détruisez le mal dans le lieu envahi par le brouillard. Ben, vous savez quoi? Je pense que ça, je vais vous. Ah non, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Allez. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, il faut faire quoi? Bon, bah, il nous dit d'aller là-bas. On va aller voir. Alors, où est-ce que ça va nous amener? Je ne sais pas. C'est ici. Il y a du brouillard. Détruisez le mal dans le. Alors, détruisez le mal dans le lieu envahi par le brouillard. Bon, ça devrait aller là, hein, quand même. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Alors, tâche de la communauté, tuer des zombies du crépuscule, 0 suite, des mordeurs rapides du crépuscule et des gros lards du crépuscule. Bon, alors, on va se prendre le petit flingue. Voilà, je pense que c'est pas mal. On va se prendre le petit flingue et on va se prendre ça pour l'instant. J'ai un katana, mais. Voilà, on va bouffer. Alors attendez, on va déterrer ça d'abord. Hein. Ça se prend. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, pourquoi pas. Alors. Mordre rapide. Alors c'est pas eux. Ça c'en est un. Ok. Donc, on a un mordeur rapide, un zombie du crépuscule. Allez, on va y aller. Encore un autre zombie du crépuscule. Bon, ça va, ils n'ont pas l'air de trop de bouger. Bon, là, par contre, on va se faire aggro, là, je vous le dis tout de suite. Et. Oh, ben là. Ah non, mais toi, t'es super lent. Ok. Ça, c'est quoi? Encore un zombie. Oh, bah, ça va. Ok, là on a quoi? Un mordeur rapide. Ah, c'est comme les zombies classiques, mais remodélisés quoi. Alors attendez, il nous manque quoi? Ah, là il y en a deux. Alors, attendez. Non mais là ils sont mous, grave mous, hein, les amis. Allez, 6 sur 8, on avance. Bon, plus les autres zombies qui sont là. Salut toi, à l'attente. Il n'y a rien qui m'intéresse. Alors, surtout qu'il ne tue pas nos zombies, parce que. Alors là, il nous manque deux zombies du crépuscule. Et ensuite, il nous manque un gros lard. Bah, il est là. Alors, le problème, c'est qu'il est entouré de mordeurs rapides, mais bon. Allez, ici, bon, c'est pas grave, on va prendre un peu le flingue là. Bon, c'est un gros lard. Hein. Voilà, ça c'est fait. Donc on a encore pris, ok, le camp des pilleurs, là. Allez, c'est parti. Je pense que c'est bon, hein. Je pense que là maintenant on peut retourner au camp. On a fait toutes les quêtes d'Horace. Donc là logiquement, toutes les quêtes de la journée, on va retourner à la communauté. Hein. On va aller voir notre niveau, parce qu'il faut améliorer notre réputation au niveau 9.
Impérativement, mais je pense qu'on a dû faire pas mal de. On a dû pas mal augmenter notre réputation, hein. Donc on va aller voir ça. Est-ce qu'il y a encore des quêtes ou pas pour aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va résoudre une partie de l'énigme? J'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire Horace là? Ah ben non, mais je viens de le faire là. Non, attends. Sophia, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah là, c'est 80 pièces. Ok, 8 heures. Ok, d'accord. Donc on peut le refaire. Et alors, où on en est là? Exactement. Ok, on est niveau presque 7,5, 8. Donc, si on veut continuer l'aventure, il va falloir passer niveau 9. Donc là, on peut effectivement faire encore les quêtes de. Faites voir, démarrer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Faut encore aller tuer des mecs dans le brouillard là ou quoi? Alors, attendez. On va aller voir, on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe rapido. Tant pis. Je pensais que c'était fini, mais non. Horace a deux quêtes consécutives. Alors cette fois, c'est ici. Alors là, on va y aller en bourrino, hein. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, ça va aller. Je vais essayer d'aller vite. Tant pis, je vais utiliser un peu d'armes à feu. C'est pas bien grave. Allez, on va stopper là. Alors, c'est exactement la même chose. Bon, là, on va prendre ça. Allez, c'est parti. Là, on va pas rigoler longtemps. Toi, laisse-moi. Toi, laisse-moi. Oh là là, mais non, il y a des zombies partout. Bon, ben là, je suis aggro, les amis. Allez, c'est parti. Mais il y a 12 000 caisses en même temps. Là, il y a les cargaisons. Allez, viens ici, toi. Ouais, c'est pas grave, allez. Les gars. Allez, je vous déglingue. C'est parti. C'est pas des zombies qui sont si compliqués à tuer, donc ça va. Vous pouvez les faire assez facilement. Ça prend un petit peu de temps. Ce qui est chiant, c'est de se faire aggro par tous les autres. Alors qu'on n'en a pas envie. Nous, ce qu'on veut, c'est. Bon, prenez les caisses, hein, là, moi, pour les besoins de la vidéo. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais vous, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Allez. Encore quelques-uns. Allez, c'est parti. Alors attendez, il nous en manque un. Ben, il est là. Allez, on se casse. On se casse. Normalement, j'ai dû prendre un petit peu en compétence. Sinon, ah ben, vous avez vu. Alors attendez. Hop, donc conduire. Sinon, effectivement, il faut attendre un certain temps ou dépenser des pièces. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire de dépenser les pièces. Il faut voir combien de temps va durer cet event. Si on le commence vraiment tôt, je pense qu'en général, c'est possible. En général, c'est possible. Alors, attendez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est également voir ce que c'est que ces citrouilles. Allez, on va aller parler une dernière fois à Horace. C'est pas en illimité ça quand même. Ah si, c'est en illimité. Hein. Réputation de la communauté, c'est en quasi illimité les amis. Donc là, vous pouvez y aller. Voilà, j'ai atteint le niveau 9. Voilà, je suis niveau 9. Donc là, il va se passer un truc. Allez, on va le faire. Allumez le feu sacré et commençons. Bon, on en est où là? Bah, on va allumer. Hein. Alors papy, oh, force de la lumière, du bien, venez à nos 7 heures graves.
Fermez les sombres portes du mal, mettons notre chemin vers la lumière, nous demandons aide et protection, qu'est-ce qui va se passer? Trouver la source du bruit. Alors, la source du bruit. Là, je vous dis. Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors là, vous êtes. Les gars, vous avez craqué. Vous êtes mort. Voilà, les pilleurs, je suis désolé. Alors, nous ordre a été de vous attaquer, d'arrêter le rituel. C'était le plan de notre chef. Il est au camp près de la rivière. Il est mort. Ok, donc là, qu'est-ce. Pourquoi il y a du. D'accord, il faut aller voir le chef. Ok, d'accord, je pense. Aller au méandre. Et là, du coup, est-ce que elle, on peut le faire? Non. Moi, ce qui m'intéresse, attendez, les autres non plus. Donc, avant d'aller au méandre, bah écoutez, je pense que ça sera la suite. Alors, attendez. Tout prendre, moi, je suis curieux de ces citrouilles. Alors, je suis désolé, mais j'ai vraiment envie d'aller voir les citrouilles, c'est quoi ça? J'ai pris 10 citrouilles mûres. Sucrées, pleines de nutriments et surtout bon pour la santé. Je vais en manger une. Ah ouais, ça rend pas mal de vie. Bon, alors je vais quand même en garder, je vais essayer de les planter. Et moi, je vous propose de faire la suite dans la prochaine vidéo. Je pense demain, parce que là, ça fait quand même très 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 longue vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur la communauté. C'est assez sympa finalement. Et je vous dis à très très vite pour la suite des aventures. Allez, bye bye.